Bonjour à vous les Chiquibriquis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, cette vidéo-là, elle est sponsorisée, elle vous est du moins proposée par la lampe tactique Boulder S de chez Olight. En ce moment, c'est le Black Friday chez Olight du 23 au 29 novembre et à cette occasion, c'est 25% de réduction sur cette lampe, la Boulder S. Voilà, il y a 15 à 50% de réduction en plus sur le reste du site, c'est plutôt pas mal. Elle est disponible en noir ou tan. Cette lampe, elle possède un laser vert très puissant, donc on a le combo laser plus lampe, c'est plutôt pas mal. Et surtout, une construction qui est vraiment vraiment solide, comme toujours avec Olight. Il y a deux modes d'intensité, jusqu'à 800 lumens ici pour cette LED compacte et jusqu'à 140 minutes d'autonomie. C'est vraiment pas mal, on a d'ailleurs le système de recharge qui est aussi impeccable avec les aimants, c'est très très bien. En plus, elle est très adaptable, hein, cette Boulder S avec les rails 1913 ou Glock. Et puis, il y a un système coulissant pour avoir un montage au plus précis de votre doigt d'activation. C'est super bien. Je vous invite donc pour votre shopping de lampes à utiliser le lien en description et mon code DAMSCOG10 hein, qui est valable toute l'année pour faire vos achats avec 10% de réduction sur le site. Et ainsi soutenir la création de contenu comme celle-ci grâce à ses partenariats. Ce Black Friday, c'est vraiment le bon moment pour vous équiper de bon matos. Hein. Et en plus de ça, il y a des lampes cadeaux sur leur site à gagner. Donc pensez à aller voir le lien en description les briquets. Je vous remercie à tous ceux qui le feront. Et puis si vous voulez commander une lampe, c'est un peu le meilleur endroit et surtout le meilleur moment avec le Black Friday pour le faire. Bonjour les Breaky Boys et du coup bienvenue à vous dans les Tarkov News, c'est votre bulletin d'actualité de la région d'Orvinsk. Hier nous avons eu une vidéo qui est sortie sur les réseaux de BSG, vidéo que voici. Cette dernière met en scène le nouveau boss de phare hein, qui sera un garde du gardien du phare. Il avait été cité dans l'or auparavant comme étant le chien de garde du gardien de phare. Pour plus d'infos, reportez-vous à mes vidéos de news sur le gardien de phare. Il y a un max d'infos à choper là-dessus. Du moins, on avait déjà vu aussi, il avait déjà apparu il y a très longtemps, je pense que c'était il y a plus d'un an je dirais, comme ça on avait déjà eu des visuels comme ça ici en 3D de ce garde du gardien du phare. Ce nouveau boss sniper en tout cas sera apparemment équipé d'un AXMC silencé avec une thermique dessus. Bref, vous aurez du mal à vous en sortir vivant de ce dernier, ça c'est sûr. Son nom c'est Zriachi ou l'omniscient ou celui qui voit tout, en référence à la traduction du titre de la vidéo. En tout cas, le phare en arrière-plan est lui allumé et ouvert, on dirait même qu'il y a de la vie à l'intérieur tout simplement, sûrement le marchand en raid qui vit sa meilleure vie de gardien de phare. Lors d'un ancien podcast, il avait été dit qu'un objet devait être utilisé ou porté sur soi afin de traverser le pont en toute sécurité, qu'il fallait quelque chose pour faire le passage. Et je suppose d'ailleurs qu'il sera aussi possible de tuer ce boss sniper pour passer en entier, ou passer du moins en vie, ce petit pont. N'hésitez pas en tout cas à laisser un like et un abonnement pour suivre au mieux l'actualité du jeu et à passer sur mon stream Twitch, le lien est en description. Et si vous cherchez des compagnons de jeu, passez nous voir sur le Discord aussi. Ce boss ainsi que le gardien du phare hein, sont très très liés à cette secte locale, hein, on avait vu des signes et tout, c'était dans les autres vidéos de news, ça que je vous invite du coup à voir. Et la proximité de ces deux personnages avec les rogues me laisse à penser qu'il y a une sorte de liaison entre les cultistes et les renégats. J'espère qu'on aura vraiment encore plus de lore, donc d'histoire entre guillemets sur la fin de ce wipe avec les événements pré-wipe qui vont commencer. Voilà, généralement on a environ entre 3 jours à 3 semaines des fois d'événements pré-wipe, vous allez voir, avec différents événements qui sont souvent liés au lore. Et vu que là il y aura l'introduction de ce nouveau gardien du phare, je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire en jeu sur la fin du wipe. Si vous voulez plus d'infos sur ce qu'est un wipe, il y a des vidéos où vous tapez DAMSCOG wipe, vous verrez, il y a toutes des vidéos qui expliquent ce que c'est. Et puis dans tous les cas, je vous ferai un résumé de ce qu'on sait pour l'instant sur le wipe prochain qui arrive avec le contenu. Ça va être une des grosses vidéos qui va sortir dans la semaine à suivre, je pense. Donc voilà, restez abonnés, c'est sympa pour savoir tout ça, quoi. Pendant que vous êtes là, le 24, 25, 26 novembre, il y aura un tournoi européen qui sera diffusé sur ma chaîne Twitch avec des cadeaux pour le public, les fameux Twitch Drops, hein. Ça sera de 23h à minuit. Sachez qu'il y aura des Français, alors je vous attends vraiment tous sur ma chaîne pour les soutenir au mieux, marquer les dates et montrer votre soutien à ce genre d'événement aussi, bien sûr. Je serai vraiment ravi de vous voir dans le chat, car en plus, on a des petites choses à vous faire gagner pour vous. Enfin bref, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de jouer dans la bonne humeur, ne vous prenez pas la tête même si vous prenez des têtes. Allez à plus, ciao ciao.